L'idée du parc au travers du chantier, selon nous, c'est, dans un contexte général de transformation du monde de l'agriculture à la ville, de l'évolution de la démographie, de l'évolution des sciences et des techniques, au travers à la fois de l'espérance de vie, de la recherche médicale, mais en même temps des risques, je dirais, ou des menaces que peuvent faire peser aujourd'hui sur l'avenir de l'humanité, l'évolution des techniques, mais aussi la crise environnementale, mais aussi sur le plan économique, la marchandisation du monde au travers, je dirais, de l'évolution de l'économie de marché qui étend, je dirais, comme une marée ou comme un tsunami, je dirais, son emprise de plus en plus importante. L'idée également sur le plan économique de la marchandisation croissante de tous les aspects, je dirais, de l'existence. Donc il y a toute une série de transformations civilisationnelles, sociétales, économiques, environnementales, culturelles, sociales, avec l'avancée notamment des inégalités sociales dans un certain nombre. Je parle bien sûr toujours globalement, je ne parle pas spécifiquement, c'est une question évidemment complexe de la situation particulière pour l'instant en Belgique et en Europe. Sur leur sensibilité par rapport à cette transformation-là, et puis permettre évidemment une rencontre et un petit débat avec vous à travers les différents points de vue que vous pourriez exprimer. Pascal, je me permets de te céder la parole. Notre rapport au changement est un rapport qui, souvent, est un rapport à un changement qui est subi. Nous subissons beaucoup plus de changements que nous n'en créons, et la dynamique du progrès, du progrès technocapitaliste qui est celui qui façonne toute la structure de nos existences, est une dynamique sur laquelle nous avons très très peu de prise. Et il m'a semblé intéressant d'essayer de fédérer par la pensée, c'est-à-dire par le concept, des expériences. Et des réflexions intellectuelles sur un autre type de changement qui serait un changement non plus imposé, non plus subi, mais désiré. Et donc d'aller voir de près, parce que je pense que la démarche philosophique doit mettre de côté la mégalomanie qu'elle a eue naguère en pensant qu'elle peut tout subsumer par un concept qu'elle créerait, et qu'il est peut-être plus intéressant de se nourrir d'abord de l'empirie, de se nourrir de l'expérience, de se nourrir de ce qui se passe, pour essayer, à partir de zones d'expérience, de créer un imaginaire du changement plus contemporain qui s'articule en dialogue avec les deux grands imaginaires du changement qui ont irrigué tout le XXe siècle, qui est l'imaginaire du changement d'abord technocapitaliste qui irrigue le XXe siècle et qui continue bien entendu à être absolument dominant aujourd'hui, et puis la figure du changement tel que le XXe siècle l'a expérimenté de diverses façons, qui est la révolution. Et là, le concept de transition vient s'articuler à ces deux autres imaginaires avec une composante empirique qui m'a particulièrement intéressé. J'ai envie de convoquer Virilio, Paul Virilio assez rapidement, qui nous dit finalement que dans ce grand changement, notamment technologique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont arrivées dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos esprits finalement de façon éclair, très très rapidement. On sait que Virilio est un penseur justement de la vitesse. Et je crois que c'est une donnée capitale pour comprendre le monde et ce monde en changement aujourd'hui, cette vitesse. Il prend d'ailleurs une métaphore tout à fait intéressante qui est celle de l'occupation. Il remonte ce sentiment qui était le sien quand il était enfant, pendant le tout début de la guerre, Seconde Guerre mondiale, et que les armées allemandes sont entrées très très rapidement, beaucoup plus rapidement que vous pouvez imaginer, dans les territoires ici en France et ailleurs. Voilà, on a parlé de Blitzkrieg, de guerre Hitler. Et il utilise cette métaphore aussi justement de l'occupation. Et je dirais même que dès lors, ce qui importe, c'est de créer les conditions, notamment les conditions culturelles, effectivement,
d'une préoccupation, c'est-à-dire aussi d'une résistance, pas au sens de rejeter absolument, mais au sens de réflexion critique sur ce que signifie cette occupation des nouveaux médias, sachant aussi que la vitesse dont ils sont porteurs, ces notions d'instantanéité, cette logique aussi du mouvement, une sorte de mouvement permanent, de bougisme, sont peu propices justement à la pensée, à la réflexion, à la philosophie même, qui voilà autant de finalement de préoccupations qui ont été évincées par cette irruption de l'instantanéité technologique. Et cette instantanéité technologique portée par des médias a bien sûr un impact sur notre façon de penser le monde. Donc c'est à la fois donc quelque part une technologie impensée, mais qui influence notre vision du monde, notre pensée. Non pas tellement parce que cela modifie ou cela modifierait nos structures mentales directement, mais on sait, si on prend le cas de la télévision par exemple, la télévision qui est le monde de la vidéosphère, de l'image, et a fait appel dans notre intellect, dans nos affects, un autre type de ressort que notre jeune écrit. Et donc, cela change fatalement l'environnement de notre intellect aussi, en quelque sorte, et ça change notre manière de penser le monde, d'appréhender le monde. Donc, deux grandes voies du changement, Pascal, si je comprends bien ta pensée, à la fois la logique de la transformation permanente de la technostructure, je dirais, du capitalisme qui se poursuit et qui s'accélère aujourd'hui, et l'autre voie, c'est la révolution communiste, la révolution russe, la révolution chinoise, la révolution cubaine, la révolution nazie, la révolution fasciste. Tout à fait. Effectivement, il faut voir comment on construit le concept. Donc, pour répondre à cette question, je dois un petit peu lui expliquer ce que j'ai voulu mettre dans cette notion de transition, puisque transire, ça veut dire aller au-delà. Transire, c'est aller au-delà. La révolution se porte, révolverait, c'est revenir. Hein. Transire, c'est aller au-delà. Mais ce sont pour moi deux imaginaires qui sont assez connexes, mais le tout est de voir comment on construit les concepts. J'essaie de penser une sorte de méthode des transitions, qui est assez commune à la transition énergétique, transition démocratique aussi, avec d'abord ce souci, qui doit être un souci contemporain, à mon sens, c'est d'ouvrir les boîtes noires. D'ouvrir les boîtes noires, c'est-à-dire d'aller voir ce qui est non vu. Marc parlait de la télévision, d'aller voir ce qui nous formate sans être visible. Le rapport à l'énergie, par exemple, est une immense boîte noire, la boîte noire que nous ne soupçonnons plus. Notre civilisation est formée, fondée sur le miracle du pétrole. Hein. Un verre de pétrole, c'est l'équivalent de la force physique d'un travailleur manuel pendant 2 mois. 2 mois de travail musculaire contre un verre de pétrole. C'est-à-dire qu'il y a dans cette molécule tout à fait fascinante le lieu d'un miracle, le lieu d'une thaumaturgie, vraiment. Et en allant voir un peu plus près, il y a des connaissances qui se libèrent, des informations qui circulent aussi. Et pour moi, le lieu d'une libération aussi, le lieu d'une vraie transition vers un autre rapport à l'énergie. Bon, on ne va peut-être pas trop parler de ça, hein, sauf si on le veut. Mais moi, je suis un très très grand défenseur de la notion de renouvelable, parce qu'il y a quelque chose philosophiquement où peuvent se connecter, se reconnecter des énergies physiques, techniques, avec des énergies psychiques, humaines. Le grand oublié du débat sur la transition énergétique, c'est évidemment l'humain, parce que l'humain est aussi un convertisseur d'énergie. Et nos sources d'énergie et d'humaine, bien entendu, les énergies, c'est l'esclavage. Mais il faut voir combien d'esclaves contemporains nos énergies, les énergies du technocapitalisme suscitent, loin de chez nous. Mais une deuxième chose qui est intéressante, et je vais venir à votre question, c'est de voir comment je construis vraiment le concept, c'est dans notre rapport au progrès. C'est dans notre rapport au progrès, parce que si on veut un imaginaire du changement, si on veut un imaginaire d'un changement désiré,
il faut voir que il y a une construction intellectuelle nécessaire par rapport au progrès. J'ai été frappé par le fait que les personnes qui, originairement, dans les années 70, aux États-Unis d'abord, avec le Dr. Freudenberger, se disent en burn-out, viennent des professions médicales, des professions de l'éducation, des assistants sociaux, bref, des professions de l'humain. Le concept a fait florès, il a hérité d'une série d'autres champs, mais originellement, ce sont les professions de l'humain. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est précisément dans ces professions-là, où tout de même il y a un sens, il y a peut-être plus de sens à aider une femme qui accouche qu'à monter des meubles en kit toute la journée, ou à enseigner qu'à faire un autre travail, il y a énormément de sens dans ces professions-là. Pourquoi est-ce que c'est là que cela coince? C'est une question qu'il faut avoir. Et je crois que l'imaginaire dominant du progrès n'est pas un imaginaire qui convient du tout à ces professions-là. Parce que l'imaginaire dominant du progrès, c'est ce qu'on peut appeler le progrès utile, le progrès utilitariste, qui est le progrès des technosciences, qui est le progrès économique aussi, qui fonctionne d'abord par de façon linéaire. Vous mettez tous les GSM que vous avez eu dans votre vie les uns à côté des autres, vous aurez l'image d'une ligne victorieuse, profondément victorieuse, et c'est vrai, avec toujours plus de miniaturisation, toujours plus d'interconnexion, toujours plus de fonctionnalités. C'est cette image-là et l'image inconsciente du progrès, et qui est un progrès dont on n'a pas fini évidemment d'entendre parler, au contraire, il est tellement dominant, qu'il fonctionne par capitalisation. Ça veut dire que tout ce qui a été inventé ne doit pas être réinventé, et forme petit à petit un capital humain. Ce sont des humains qui créent les technologies. Il ne faut pas les voir comme des choses très très lointaines, mais un capital qui est de plus en plus important. Si on parle d'accélération et de caractère exponentiel du progrès technocapitaliste, c'est que ce qui a été inventé ne doit pas être réinventé. Le laser ne doit pas être réinventé pour être dans une nouvelle application biomédicale, par exemple. Et ce capital va croissant, bien entendu. Et si tous les débats sur les superintelligences tendent à expliquer que on va faire un take-off, un tour de décollage de l'intelligence artificielle, c'est précisément parce que ce capital technoscientifique produit des intérêts de plus en plus importants. Et à côté de cela, il faut réveiller, susciter à nouveau un progrès humain, qui s'appelle le progrès subtil, qui est beaucoup plus connecté à quelque chose qui est la trame des existences. Le subtil, c'est le subtella, c'est ce qui est sous la toile, ce qui est profondément sous la toile, qui a un caractère cyclique, parce que ce soit les enseignants, les médecins, les psy, tout le monde sait bien qu'on est connecté à la dimension cyclique, circulaire de l'existence, qui est une cyclicité que le capitalisme ne voit pas du tout. Alors, à partir de ces deux grands, points de méthode par rapport aux transitions, on a un choix intellectuel à faire. On se dit, tiens, mais effectivement, le mot transition avec son côté de transirer, d'aller au-delà, tel qu'il est utilisé aussi dans les villes qui se disent en transition, dans la transition énergétique, dans les transitions démocratiques qu'on a vues avec des fortunes diverses, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, où ce sont des histoires terriblement différentes, mais au début fédérées par le même terme. Alors, on peut utiliser le mot transition, et le mot, un autre imaginaire du changement, qui est le mot révolution, est un mot qui aussi pourrait convenir, et on a parlé de révolution du printemps arabe. En tant que philosophe, j'ai été un petit peu reconstruire le concept de révolution à partir de la République de Platon. Et je vois quand même, dans la République de Platon, il y a trois composantes de la mentalité de la révolution qui, personnellement, me semblent tout à fait loin du concept de transition. C'est que Platon voit quand même la révolution, étymologiquement, c'est ce qu'elle est, comme un retour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu un âge d'or. Il y a eu un trésor qui a été volé. Il y a eu quelque chose, et c'est très rousseauiste comme idée aussi, il y a eu un moment où cela allait bien, et il y a un imaginaire, disons, assez nostalgique dans le concept platonicien de révolution. Bon, il y a peu de concepts sur lesquels on a autant écrit dans le XXe siècle, et vous sentez bien que c'est une construction intellectuelle ici, sur deux ou trois points. Mais il y a aussi cette dimension d'une table rase,
d'une table rase, que comme on voit quand même dans beaucoup de, en tout cas dans cette révolution telle qu'il est construit par Platon, et toute l'ambiguïté, toute la grande ambiguïté de notre civilisation est que, me semble-t-il, d'une table rase, par exemple, on n'en veut pas. Moi, j'ai, voilà, pour des circonstances existentielles, fréquenté des centres de néonatologie, par exemple, où, qui sont des concentrés de progrès technologiques, de progrès pharmaceutiques, etc., avec une organisation humaine tout à fait fabuleuse, et le réseau de ce que suppose au niveau de l'énergie aussi, au niveau des formations, au niveau de un centre de néonatologie par exemple, est un réseau colossal. Et alors, jusqu'où irrigue-t-il l'ensemble de notre système? Ce n'est pas du tout comme si le progrès technocapitaliste était le progrès, disons, dont il faudrait totalement se déprendre. Je pense aussi qu'il y a 8 milliards d'individus à nourrir. Ce n'est pas comme si on pouvait se débarrasser de ces techniques. Loin de là, je suis profondément technophile. Mais trouver les articulations entre cette dimension de l'utile, entre cette dimension du subtil, trouver d'autres types de mentalités, trouver d'autres types de répartition des richesses, voilà ce qui me semble être à l'œuvre dans des mentalités en transition qui aussi rompent avec le troisième aspect, que Platon soulignait et que quelque chose comme la Révolution française a quand même montré, c'est le côté, le rapport à la violence, le rapport à la terreur, même, en tout cas, on peut aller vers Colgène. Mais voilà, c'est des choix, comment construit-on le concept. Effectivement, je suis attentif à ce que nous dit Pascal autour du progrès, de cette idéologie du progrès. Et de mon côté, je suis attentif aussi un peu au frein, à ce qui bloque les dynamiques de la transition, justement. Ce qui appartient au monde qui est en train de mourir tout doucement, mais qui ne veut pas céder la place. Et on sait que le problème n'est pas nécessairement que les nouvelles idées se fassent jour, et on sait qu'il y en a énormément. Il faut les articuler, bien sûr, bien de dire, les idées et les mécaniques, mais aussi à que les anciennes idées, d'une certaine façon, et surtout derrière eux, les tenants des anciennes idées et des intérêts présents acceptent de laisser la place, ce qui renvoie tout simplement à une question de rapport de force dans le monde actuel. Alors, c'est ça que je voudrais souligner en parlant de... Virilio a parlé de la propagande du progrès. On pourrait parler aussi du détournement, du renversement même de la notion de progrès dans le discours néo-managérial, néo-capitaliste tel qu'il a été pensé et analysé par Léopold Tansky et Fulvio Capello dans le nouvel esprit du capitalisme. À savoir finalement que, pour le dire en un mot, Pascal, tu parlais aussi des boîtes noires, tu parlais de rentrer dans la boîte noire. Je crois que pour comprendre ce retournement des mots, ce retournement de sens, de valeurs qui nous sont propres au mouvement progressiste, au mouvement de gauche en général, il faut ouvrir le capot justement du discours dominant, de la rhétorique, telle qu'elle s'impose à nous, à travers, de façon assez éparse, hein. Elle s'impose à nous de façon qui n'a pas l'air cohérente, parce que cela se fait à travers des énoncés à différents moments, dans différentes circonstances, et de façon finalement apparemment assez fragmentée, puisque aussi un peu le propre de l'époque et des nouveaux médias. Il n'empêche qu'il y a une vision assez... la vision qui en ressort est assez cohérente. Je vais prendre deux exemples pour montrer un peu cette inversion de sens. Le terme d'abord qui nous éloigne un petit peu de la préoccupation énergétique, mais qui nous ramène à l'économie et à la politique économique, le terme de réforme structurelle, d'une part, en termes de macroéconomie, et puis finalement le terme de projet aussi, en termes là plutôt de microéconomie managériale. Quand on parle de réforme structurelle aujourd'hui dans le discours dominant, un des constats qu'on peut faire, c'est que ces réformes structurelles ne sont jamais qualifiées. À
Alors que si on gratte, on sait que ce qui est visé en premier lieu par ces réformes structurelles des économies, ce qui est visé en premier lieu sont les marchés du travail des différents États auxquels ces réformes structurelles sont imposées ou conseillées. Réforme du marché du travail, réforme du droit du travail, réforme de la protection sociale, de la protection des travailleurs en un mot. Ce qui n'est évidemment pas sympathique. Or, tout cela n'apparaît évidemment pas dans réforme structurelle, qui est par définition ce qu'on appelle un euphémisme qui vise à adoucir les choses, à rendre la réalité beaucoup plus douce, beaucoup plus sympathique qu'elle n'est, à materner en quelque sorte nos émotions, tout en entretenant une certaine opacité autour de ce qui est visé, et qui bénéficie, ce terme de réforme structurelle, de la connotation de progrès que signifie le mot même de réforme dans son acception récente. C'est la réforme a souvent été un progrès. Or, ce qu'on voit ici, c'est que les réformes en question ont un caractère sur le plan social éminemment régressif en matière de démantèlement du droit social, des services publics, marché de la régulation du marché du travail, etc., etc. Donc c'est la première chose. Donc plutôt de réforme, on pourrait parler en vérité de contre-réforme et de régression sociale. Et on ne nomme pas les choses. On parle aussi de réformes structurelles. Or, ce que l'on voit, c'est que ces réformes structurelles ont surtout pour mouvement, pour dynamique, de déstructurer, précisément, de déstructurer les protections sociales, le droit social. Et d'annihiler les politiques qui défendent les protections sociales. Et par ailleurs, quand on parle de réformes structurelles, c'est un pari, une promesse qui est faite, parce que ce que l'on voit aujourd'hui de l'action de ces réformes structurelles, c'est surtout leur caractère conjoncturel, qui est tout sauf positif, constructif sur le plan même de l'économie, de la croissance, tant est qu'on prend la croissance ou l'économie comme des mesures de ce qui importe. Donc voilà, c'est une première chose. Or, ces réformes structurelles, dans le discours dominant, fonctionnent par le simple fait qu'on énonce, qu'on les nomme. Jamais vous n'entendez, vous ne lisez un développement comme celui que je viens vous faire sur le sens des réformes structurelles, ni même sur le sens que leur prêtent les promoteurs des réformes structurelles. Donc, on n'a pas d'explication, on n'a pas d'argumentation, ce qui veut dire qu'on fait face à un mot-concept, à un mot-slogan qui fonctionne par son seul énoncé, qui est, comme on dit, performatif, c'est-à-dire qu'il fait advenir une certaine réalité comme une évidence. Enfin, c'est évident, oui, il faut des réformes structurelles, sans que ça ait besoin d'être argumenté. Et ça, en fin de compte, c'est quelque chose de terriblement embarrassant quand il s'agit de construire un rapport de force, de se positionner, de trouver un adversaire, parce que c'est notamment pour ça qu'on peut faire quand on est dans des associations ou dans des syndicats, dans des organisations syndicales, comment se battre contre des réformes structurelles si vous ne savez pas exactement si votre public peine à sentir ou à ressentir, même, je ne dis pas que l'intellect aussi sur un plan affectif, à ressentir ce que ces réformes structurelles peuvent avoir finalement de nocif. Alors, autre exemple, je parlais du terme projet. Alors le mot projet, le mot projet renvoie finalement à la capacité de se projeter dans l'avenir. Une des choses qui est le plus difficile à faire aujourd'hui, tant la certaine culture, ou inculture de l'instantanéité, du présent éternel, nous empêche de nous projeter dans l'avenir, de penser, d'imaginer un avenir, d'où la prégnance du terme crise, une crise sans fin, qui finalement
Robert, l'avenir ne rend pas l'avenir, le futur accessible ou visible. Donc, difficulté de se projeter dans l'avenir, il n'empêche que le terme projet, lui, est présent, c'est un des mots les plus fréquents dans notre langue de tous les jours. Et voilà encore bien un mot dont le sens a été sans doute, et la valeur a été inversée, puisque au départ, le mot projet, bah, c'est un mot qui apparaît plutôt sympathique et propre aussi au mouvement de l'éducation permanente, de l'éducation populaire, des collectifs, des individus qui étaient et qui sont encore aujourd'hui enclins à vouloir transformer le monde, à le changer d'une manière ou d'une autre, ce qui nous ramène à la transition. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que par justement une sorte de discours managérial néo-managérial qui s'est imposé à partir des années fin 80, début des années 90, le terme projet est un terme qui a été récupéré par les valeurs même du capitalisme, du néo-capitalisme, puisqu'il est inscrit au cœur même de l'entreprise, mais il est aussi au cœur de nos vies personnelles et individuelles. C'est-à-dire qu'il a perdu, ce mot projet, le sens à la fois collectif au niveau de la paternité et au niveau de la finalité. Et ce mot projet, aujourd'hui, en général, ne renvoie plus jamais qu'à la volonté, à l'envie ou au désir de l'individu personnel. Tu as un projet toi, pour cet été ? Ah non, tu n'as pas de projet, mais moi j'en ai plein. Enfin, il faut avoir des projets, on doit avoir des projets, mais chacun séparément. Et ça, c'est de nouveau quelque chose qui, à la fois, fait partie de notre culture, notre impensée générale, et qui constitue, par ces inversions, ces inversions de sens, cette appropriation du sens et des valeurs par les logiques, les dynamiques néo-capitalistes, pour le dire avec Voltanski et Chiapello, sont pour moi des freins puissants à la mise en œuvre justement de la transition et des articulations dont parlait Pascal. Je crois qu'il faut pouvoir aussi nommer les choses correctement. Derrière la notion de transition, il y a une façon de comprendre sa place dans l'univers. Un concept sans vision du monde ressemble à une lettre d'amour sans destinataire. Un beau geste, mais un peu vain. C'est à ce regard nouveau que les personnes de plus en plus nombreuses qui œuvrent à leur échelle pour une évolution viable font référence lorsqu'elles parlent de transition intérieure. Une conscience plus altruiste est capable de nourrir des actions plus justes. Il serait aberrant que notre époque, si informée et riche de moyens fabuleux, ne sache négocier ce tournant. Ma question est toute simple, Marc Pascal, par rapport à vos deux interventions. Quel est le début de la transition? Où est-ce qu'elle s'exprime? Est-ce qu'elle s'exprime d'abord dans une transition intérieure, existentielle? Ou bien, je schématise et je caricature, s'exprime-t-elle d'abord au travers d'une transformation des structures sociales, des structures économiques, politiques, qui nous traversent? Où est-ce qu'on commence la transition, la transitologie? Ce soir, quand je rentre chez moi, comment est-ce que j'amorce une transition qui permettra un certain nombre de changements? Est-ce que je dois rentrer en métro? Est-ce que je dois arrêter d'acheter des transitions sur Amazon? Est-ce que je dois... Non, mais je fais exprès, parce que la question fondamentale, me semble-t-il, est, pour le dire autrement, est-ce que les transitions que nous souhaitons tous dans les mouvements citoyens, dans les partis progressistes, dans la vie syndicale, je pense que beaucoup, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, souhaitent et aspirent à ces transformations, aspirent à un monde meilleur, et nous avons techniquement, tu l'as bien dit Pascal, tous les moyens pour permettre aux 8 milliards de terriens, aux 7 milliards et demi de terriens, de vivre dans la dignité humaine, avec l'éducation, le logement, les soins de santé, etc. Et ma question est, est-ce que d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas la nécessité de procéder à une transition intérieure? Pourquoi? Pour conjurer, si j'ose dire, la part de nous-mêmes qui adhère en fait totalement au système.
comme dirait Alain Accardo. Est-ce que nous ne sommes pas, au fond, finalement, profondément schizophrènes? C'est-à-dire qu'une part de nous-mêmes, pardonnez-moi les simplifications, une part de nous-mêmes conteste radicalement et aspire à un monde meilleur, mais une autre part de nous-mêmes fait que, je dirais, nous collaborons totalement au système. Nous dans le sens pas historique du terme. Au fond, nous sommes dans une servitude volontaire ou involontaire. On va prendre les termes d'un grand philosophe du XVIIe siècle. Et donc, c'est cette question-là qui me semble extrêmement intéressante. Est-ce qu'il y a nécessité ou d'articuler la transformation existentielle intérieure, qui est l'étude, si j'ose dire, ou la transformation sociétale, Marx? Changer soi-même pour changer le monde ou changer le monde pour changer les hommes? Voilà un petit peu la dialectique sur laquelle je m'interroge immédiatement. C'est-à-dire, tu parlais, Pascal, de l'importance de... C'est vrai que moi, ils viennent sonner pour changer, j'ai pris Luminus plutôt qu'Electrabel, parce qu'ils sont venus sonner, sinon je l'aurais peut-être pas fait par même le nouvel appartement qu'on a loué, mais je n'ai pas fait, parce qu'Electrabel c'était plus facile, etc. Donc je suis en autocritique permanente sur moi-même. Est-ce que c'est pas tous ces petits faits, en fait, essentiels, qui fait globalement, sociologiquement, les transformations vont véritablement naître? Donc, c'est moi ce qui. Voilà. Parler, j'arrête là. Donc, ma question, c'est où est-ce que ça démarre tout de suite, ici et maintenant, vu les impasses gigantesques que... Il faudrait relire le texte de Platon sur la caverne dans la République, parce que, si je me souviens bien, le prisonnier qui a décidé de sortir de la caverne n'a pas reçu d'injonction, il a encore une moins reçu de SMS, il n'a rien reçu, il est sorti. Il faudrait aller revoir la phrase, parce que par rapport à la dramaturgie platonicienne, c'est fondamental. Il y a un moment où il s'est levé, il y a un moment où il a tourné le dos, il y a un moment où il a cherché une autre lumière. Platon ne va pas dire que il n'y a pas de premier moteur. Il y a une situation dont il a commencé à douter. Et le doute est l'instrument philosophique par excellence. C'est d'une certaine façon le malin génie. Michel Serres a écrit un livre sur Petit Poucet qui est l'ode à la communication numérique contemporaine. Si un malin génie vient aujourd'hui chez Petit Poucet en lui disant « Oui, mais ton iPhone, magnifique, mais tu sais qu'il y a 1 200 000 ouvrières à Shenzhen, Amazon qui te la porte, magnifique, mais enfin bon, tu sais quand même que Amazon, une personne qui travaille chez Amazon remplace 13 libraires indépendants. Le gaz russe dont tu te chauffes, tu ne le vois pas, mais combien de démocrates russes sont emprisonnés par rapport à ça. Donc, ouvrir les boîtes noires, c'est ça. Faire douter, c'est ça. Et faire douter ne va pas, je pense, conduire Petit Poucet, il y a un rapport à la technophilie, là, à jeter son iPhone par la fenêtre, encore moins à jeter son divan IKEA par la fenêtre, ou etc. Enfin, c'est le genre de trucs. Mais va simplement faire vaciller sa certitude d'habiter un monde qui est un monde invivable pour beaucoup, et la transformer en quelqu'un qui commence à visualiser d'autres possibilités, commence à imaginer d'autres possibilités, et dans la transition, il y a ça, il y a ce rapport au futur qui nous sépare de la croyance selon laquelle le futur est la conséquence mécanique du présent. Et ça, c'est vraiment le progrès technocapitaliste. On engendre du demain à partir de l'aujourd'hui. Et finalement, le futur n'existe jamais, parce que le futur n'est jamais que la fin du projet. Mais à partir du moment où il y a une reprise de l'imagination, je crois que le futur redevient une dimension du présent, par la visualisation. Qu'est-ce que serait un type de sortie des hydrocarbures, par exemple, un type de sortie nucléaire, etc. Que serait ? Quel monde serait-ce ? Et cette force de la visualisation, cette force de l'imagination, c'est aussi la force de l'enthousiasme. Elle n'est possible qu'après le doute, à mon sens. Et il y a quelque chose entre vie et théorie, il y a quelque chose entre... Et ce qu'il y a entre vie et théorie, ben oui, c'est des paroles qui circulent, c'est des échanges, c'est des... Il y a aussi quelque chose dans ces mouvements de transition, ça il faudrait en discuter, parce que c'est des questions politiques très très, très, très importantes. Rob Hopkins, qui est le fondateur des initiatives de transition à Totnes en Angleterre,
plutôt permaculture, vraiment développement durable là-bas, etc. Mais bon, Totnes, c'est 8000 personnes, une petite ville sympathique, un peu des néo-stoïciens sous la pluie anglaise, disons. Mais voilà, c'est pas nos villes du tout. Et lui s'est fait prendre à partie par ses meilleurs amis. C'est toujours ce qu'on autorise à être vis-à-vis de nous-mêmes en disant « mais c'est bien gentil tes initiatives, mais sont-elles tout à fait apolitiques ? Il y a quelque chose comme le pot de terre face au pot de fer dans tes... » Et alors il répond sans tout à fait répondre en disant « mais moi c'est ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et d'une certaine manière, il y a des émulations, il y a des imitations, il y a d'autres choses. Et donc pour répondre par rapport aux deux questions de monsieur, sans bien sûr oublier cette... Là, par rapport à la simplicité, moi je suis frappé que des métiers comme le métier de l'éducation, comme le métier d'éducation, de professeur par exemple, les métiers d'infirmière, de médecin, etc., sont des métiers qui sont toujours connectés à cette dimension fondamentalement cyclique de l'existence humaine qui fait partie de la nature, laquelle a des dimensions cycliques aussi. Et on sait que, mais oui, on sait qu'on est, on sait qu'il y a des moments de maturité, on sait qu'il y a des moments de maladie. Et le médecin est celui qui réapprend toujours. Il réapprend toujours au patient à se débrouiller avec la maladie qui est toujours unique pour le patient, mais qui est relativement répétitive pour le médecin. Le professeur est celui qui recommence à enseigner toujours. Cette sagesse de la répétition qui est au fondement de l'humanisme classique, hein, soigner, enseigner, guérir, les trois métiers qui sont les métiers phares chez Platon, Aristote, trois métiers par ailleurs dont Freud disait en 36 qu'il devenait impossible avec la modernité, hein, soigner, enseigner, guérir, impossible avec la modernité. C'est pourtant là que naît l'humanisme classique. Ce sont des métiers où il faut toujours tout recommencer. Et je crois qu'il y a une impatience profonde du technocapitalisme par rapport à cette dimension selon laquelle il faut toujours tout recommencer. La technologie ne recommence pas. La technologie, elle a capitalisé. Regardez comment se rebooste votre ordinateur de plus en plus. Il ne doit plus tout recommencer. La détestation, et qu'on peut comprendre existentiellement, de la mortalité humaine, ce qui est profondément son caractère cyclique. Voilà. Et par rapport à la technophilie, c'était des goûts d'abord. Moi, j'aime beaucoup la matière, j'aime beaucoup le travail sur la matière. J'étais très formé par un philosophe qui s'appelle Simondon, qui est un philosophe de la technique et qui sait que la technologie n'est pas l'autre de l'homme, elle est fondamentalement un lieu. Elle est fondamentalement un lieu de culture humaine. C'est pas comme s'il fallait dire la culture c'est des livres, des films, point. Non, la culture c'est aussi des sciences, la culture c'est aussi des technologies. Le tout est alors en entrant et de manière technophile, en comprenant les objets. Cette caméra, moi je trouve que c'est un objet qui a permis énormément de choses. Et on partage, on parle d'éducation permanente, ben, l'éducation permanente sans la caméra c'est autre chose. Et il me semble que le problème c'est pas la technologie de la caméra, le problème c'est ce qu'on en fait, les problèmes viennent après. Alors pour répondre par rapport à Marx, je dirais aussi, les philosophes sont un peu comme des alpinistes, et les alpinistes ils disent j'ai fait un pic. Moi j'ai fait Simondon, j'ai fait personne, mais j'ai pas encore fait Marx. Mais il me semble, donc pas du tout marxisme, mais la pensée marxienne, mais il me semble qu'entre valeur d'usage et valeur d'échange, il y a évidemment quelque chose de fondamental à construire par rapport au progrès utile. Peut-être un jour, mais j'ai pas encore fait ce grand continent-là. Le terme même de projet collectif, c'est un mot auquel on est attaché, qui fait partie d'un système de valeurs et de sens auquel on croit, pour lequel on s'engage. Mais à partir du moment où les termes mêmes sont réappropriés, enfin sont utilisés, détournés à d'autres fins, je dirais sur le plan précisément du discours et du positionnement des uns des autres,
ça rend les choses difficiles, et notamment, encore une fois, dont je parlais, dans le rapport de force, qui est très certainement culturel. Alors, pour répondre à ta question, je vais tenter d'y répondre, du moins, entre structure et individu. Donc, moi, j'ai... Ou groupe. Micro-groupe. Mais j'y viens, justement, micro-groupe, j'y viens. Moi, je dirais que si on parle d'une transition, d'une évolution majeure, d'un basculement, je crois que rien, pour moi, ne peut se faire sans un mouvement, je dirais un mouvement social puissant, qui est à la base et qui appuie une action ou qui tente de changer une action politique. Donc c'est, je dirais que c'est une première réflexion. De ce point de vue-là, je crois que même si le mouvement social que l'on connaît aujourd'hui n'est pas directement connecté à la question et à l'enjeu de la transition, il s'est passé le 12 novembre dernier à Bruxelles un moment, je crois que pour moi, très important. Une manifestation, donc manifestation nationale contre les projets, donc programme d'austérité, de réforme structurelle du gouvernement fédéral. Bon, ce qu'on a vu dans cette manifestation, je parle bien de la manifestation, la grande manifestation qui a réuni 120 000 personnes, selon les chiffres qui font consensus, c'est qu'on a vu une manifestation qui a vu deux types de publics se reconnecter, qui depuis longtemps sans doute ne se connectaient, n'étaient plus ensemble. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la foulée de cette manifestation ou autour de cette manifestation, on a vu aussi surgir des mouvements comme Hart Bovenhart en Flandre et tout autre chose, qui mobilisent, eux, le milieu socioculturel. Et je trouve qu'il y a là les germes, je dis bien les germes, je ne dis pas qu'on y est, mais d'une reconnexion de la critique sociale, on va dire du capitalisme au sens large, et de la critique culturelle du capitalisme. Or, ces deux critiques, qui étaient les critiques qui ont été cristallisées autour de 68, ces deux critiques, depuis 68, étaient séparées. C'est-à-dire que le nouvel esprit du capitalisme ou le rapport de force dominant était parvenu, en quelque sorte, à séparer critique sociale, à scinder critique sociale et critique culturelle. Notamment par un biais, notamment en tentant de se réapproprier les demandes contestataires de 68 de liberté, d'authenticité, principalement de liberté, d'autonomie individuelle, en s'appropriant, donc pas par le biais, si vous voulez, du management en entreprise, notamment. Donc ces valeurs ou ces idéaux, ces demandes de liberté et d'authenticité, on les a trouvées inscrites au cœur même du nouveau système d'exploitation ou d'assujettissement, et c'est là qu'il y a pour moi effectivement une permanence de la pensée marxienne, dans l'entreprise aujourd'hui, à travers la captation de l'énergie, des capacités subjectives de l'individu. Non plus uniquement captation de la force des bras et captation de la valeur ajoutée propre aux salariés, en termes purement salarial, mais captation de la valeur subjective, des ressources subjectives des individus, leur capacité d'engagement, leur savoir, leur connaissance, leur créativité, qui font qu'aujourd'hui, dans ce système néo-managérial, l'entreprise, en invoquant l'autonomie et la liberté et la responsabilité des individus salariés et travailleurs, leur demande de se mettre totalement au service de l'entreprise et non plus seulement à travers leurs bras. Et donc ces capacités créatrices que nous avons tous et qui viennent justement de la culture, de l'éducation, certes inégalement réparties entre individus,
ces capacités-là, aujourd'hui, sont en quelque sorte aliénées, sont exploitées, assujetties au service des seuls intérêts de l'entreprise. Encore une fois, de la grande entreprise. Encore une fois, ça n'apparaît pas parce qu'il y a là évidemment une conflictualité, un conflit social qui ne s'exprime pas parce qu'on a tout un discours qui consiste à dire à l'ère de la mondialisation, de la mise en concurrence, qui est un des enjeux justement, ou qui est le cadre dans lequel s'opère la transition, discours qui consiste à dire nous sommes tous dans l'entreprise, patron, cadre, actionnaire, travailleur, exposés à la contrainte extérieure, à la contrainte financière, à la contrainte de la concurrence internationale. Ce qui veut dire, sous-entendu, les petits conflits n'ont pas de place, c'est la survie de l'entreprise qui compte, nous devons faire face pour la compétitivité, etc., etc. Autrement dit, nous sommes tous dans le même bateau. Et ça, c'est le discours, finalement, qui en revient à réfuter l'existence même d'une conflictualité, d'intérêts divergents, qui pour moi le demeure. Et on va en fin de compte, à partir de là, de cette négation, de ce déni de la conflictualité sociale, les intérêts dominants, les mécanismes de domination peuvent agir d'autant plus efficacement en captant ces ressources, les ressources des individus. Or, c'est bien de cela, à un moment donné, dont il s'agit aussi, si on parle de transition et de processus créatif aussi au service de la transition, et de pouvoir s'engager individuellement, mais aussi collectivement, au service de quelque chose, c'est précisément de retrouver la propriété, non seulement individuelle, mais aussi collective, de ces ressources. Et pour terminer, pour moi, ça passe très clairement par la culture et l'éducation, sachant que l'éducation, mais comme tu l'as écrit aussi, l'éducation, ça veut dire s'élever au-dessus de soi-même et surtout sortir de soi-même pour aller vers les autres. Là encore une fois, on retrouve cette idée peut-être de micro-groupe et d'empathie qui peut se créer davantage dans ces groupes, intermédiaires. Pour mieux revenir alors vers soi, pour mieux changer son regard sur soi, sur les autres et sur le monde. Et on retrouve une dialectique là entre finalement le collectif et l'individuel. Je n'ai peut-être pas parlé du structurel, mais là, on monte au niveau macroéconomique et macro-politique aussi. Mais à la base, il y a la nécessaire recréation d'un mouvement social élargi, plus fort qu'il n'est aujourd'hui, dont me semble-t-il, on voit les germes, c'est une chance inespérée. Et par la reconnexion du social et du culturel, je crois qu'on peut aussi aller vers des enjeux autres que simplement marchands ou salariaux ou de pouvoir d'achat, même si c'est important, et aller vers précisément le bien-être, le bien-vivre et la transition dès lors aussi énergétique et de préservation de la planète. Au fond, est-ce que, Pascal, Marc, est-ce qu'il ne faut pas atteindre, je fais exprès de poser des questions un peu provocatrices, est-ce qu'il ne faut pas atteindre un certain degré de souffrance, de tragique, de drame, d'intensité dans l'histoire pour que la société, pour que les hommes qui font société, les hommes qui, je vous le rappelle, c'est la formule de Marx, font l'histoire sans avoir l'histoire qu'ils font, qui je trouve une très très belle formule, pour que renverser, je dirais, cette sentence de Karl Marx, est-ce qu'il ne faut pas atteindre, c'est une question très rapidement et très caricaturalement dite de philosophie d'histoire, est-ce qu'il ne faut pas un point à un moment de basculement, de telle intensité qu'il y aura un seuil qui sera dépassé ? Pour le dire autrement, est-ce que l'Europe ne s'est pas construite parce qu'il a fallu trois guerres franco-allemandes, plus toutes les guerres, puisqu'on commémore 1815, plus toutes les guerres avant? Est-ce que la crise financière de 2008 a malheureusement parti? Est-ce que rien n'a changé sur la... Au contraire, le système financier international, avec les produits dérivés, avec la financiarisation de l'économie, s'est emballé encore plus. Et certains disent, Pierre Laroutourou, par exemple, disent
Il faut attendre le crack ultime pour qu'à un moment, il y ait un basculement dans l'histoire. Mais ce basculement dans l'histoire, il se fera au prix d'énormément de souffrances, de tragédies. Et je termine, pour ne pas être long, en disant, et c'est l'interrogation sans réponse que j'ai en permanence, est-ce que, à la fin des fins, dans la petite courte vie que nous avons par rapport au cycle, je dirais, du temps de la nature et du cosmos, est-ce qu'en définitive, ce n'est pas la nature, ce ne sont pas les écosystèmes, eux-mêmes, pas les gros, pas le capitalisme organisé, pas les oligarchies, etc., les cycles, je dirais, de la nature, les processus biochimiques dans les écosystèmes qui vont, d'une manière ou d'une autre, nous obliger à nous transformer. Mais au prix, évidemment, et donc en clair, je termine vraiment par là, Marc Pascal, est-ce que on peut avoir une transition douce, pacifiée, sereine, ou est-ce qu'il faut passer par des convulsions, peu importe les mots qu'on les appelle, des guerres, des révolutions, des tragédies, des famines, des tsunamis, pour qu'il y ait, je dirais, une bifurcation d'une société à un moment historique donné? Ça dépend de l'ampleur des basculements et des cycles dont on parle. Tu demandes, est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas la nature elle-même qui décidera? Oui, très certainement, sur les grands cycles majeurs, comme on a connu des glaciations et des événements de cet ordre-là et de la disparition de certaines espèces qui ont été qui ont marqué des grands changements. Oui, de ce point de vue-là, très certainement. Mais même à plus court terme. Oui, de toute façon, oui. Ce que l'on voit, c'est que, je dirais, la plupart des grands changements, des grands basculements que nous avons connus sont souvent arrivés au terme de convulsions, de guerres. Si on prend, alors c'est pas, est-ce que c'est un grand changement, peut-être, enfin, symboliquement pour nous, oui, mais si on parle tout simplement de la sécurité sociale de l'Europe, bien sûr que c'est venu au terme de plusieurs guerres, et la sécurité sociale est inscrite historiquement déjà dans l'histoire du 19e siècle, lequel finalement est annoncé par les révolutions politiques précédentes. Donc, je crois, en tout cas, oui, c'est pas par hasard que je parlais de rapport de force. D'une part, oui, je crois que les basculements passeront par une forme de conflit, et toute la question de conflit, de conflictualité, et j'espère en diminuant le plus possible la violence et la souffrance. Et c'est là où l'éducation et la culture interviennent de nouveau, selon moi. Parce que l'éducation, la culture et la politique, dans le sens évidemment le plus noble du terme, je ne parle pas de la politique partisane nécessairement, mais la politisation des enjeux de société, sont là précisément pour organiser et construire le conflit. De manière, et ça se fait par la culture, par la prise en compte de ce que pense ou ce que ressent l'autre. Encore une fois, on est dans les mécanismes d'empathie qui malheureusement sont terriblement bloqués et freinés aujourd'hui par, notamment, mais ce serait trop long à développer, par bien des utilisations des technologies à l'œuvre aujourd'hui, des dynamiques médiatiques notamment, mais ça c'est un peu long à développer. Et donc oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à construire de ce côté-là en termes de construire, organiser un conflit le plus démocratique possible. Et c'est toujours, même si à un moment donné, les choses peuvent échapper et que des forces obscures comme on a connu au XXe siècle peuvent l'emporter sur l'éducation et la culture à un certain moment et pendant un temps donné. Il ne faut pas oublier que rien n'est jamais perdu en termes d'investissement, de culture, de réflexion. Les choses peuvent... rien n'est jamais perdu. On a eu... Peut-être ça commence à...
à disparaître un peu, mais on a eu longtemps le sentiment, ça fait longtemps qu'à gauche, on a le sentiment qu'on perd beaucoup. Et que dès lors, à quoi ça sert de réfléchir, de parler de culture, d'investir ? Je voudrais simplement, très, très vite pour cela, rappeler ce qui s'est passé dans l'autre camp. Quand, dans les années 30, les idées keynésiennes et finalement les bases du compromis social-démocrate de l'après-guerre se mettent en place, sur le constat d'échec du capitalisme financiarisé, ou financiers des années 20, et du constat d'échec des politiques économiques libérales qui étaient menées à cette époque-là. Et quand donc, après la guerre, gagnent au niveau électoral les forces politiques, social-démocrates, travaillistes au sens très large du terme, qui vont soutenir, en gros, le compromis social-démocrate, la sécurité sociale, la démocratisation économique et sociale, à ce moment-là, les tenants du libéralisme, qui ne s'appelle pas encore le néolibéralisme, se sont déjà réunis, ils se réunissent déjà pour préparer la contre-attaque, la contre-offensive, réfléchir à leur propre avenir, à comment récupérer le terrain. Il y a eu le congrès Lippmann en 1938 à Paris, je crois. En 1947, un congrès au Mont Pèlerin, justement, de tous les penseurs, dirigeants, grands dirigeants et penseurs, économistes libéraux, dans lequel on trouvera von Hayek. Et ils vont travailler, penser et continuer à creuser et avec le sentiment de ne pas y arriver, parce que d'élection en élection, leur parti, leur poulain n'y arrive pas. Parce que tout simplement, à cette époque-là, on ne veut plus de ces politiques-là. Ils continuent pourtant à les mettre en place, à les réfléchir, à les penser. Parce que ce n'est pas par un claquement de doigts et par transcendance qu'en 1980, au terme des chocs pétroliers et d'un effondrement de l'économie, des partis politiques qu'on va qualifier de néolibéraux en Grande-Bretagne et aux États-Unis notamment, arrivent au pouvoir, nanti d'une armature idéologique, économique et d'une pensée même culturelle profonde. Tout ça a été travaillé pendant, pratiquement 50 ans, dans des circonstances d'opposition. Alors, je crois que, et ça c'est bien finalement une leçon qui est donnée d'une sorte de culture un peu non utilitariste, ou en tout cas non court-termiste, qui nous est donnée par ceux qu'on peut qualifier de nos adversaires, en quelque sorte. Et c'est peut-être une leçon. Ils s'approprient tellement de choses de chez nous qu'on pourrait s'approprier ça de chez eux, finalement. Il y a, à mon sens, une chose à prendre en compte, c'est que l'humain s'adapte bien. L'humain s'adapte très bien, il s'adapte à beaucoup de choses. Et donc, ta question, jusqu'où doit-on aller pour que ça change vraiment, doit prendre en compte les capacités d'adaptation du système, de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, s'adapter, c'est quoi? C'est construire une limite d'inacceptabilité. S'adapter, c'est savoir jusqu'où on va aller. Imaginons, dans un contexte socio-professionnel, une femme qui a souvent des remarques misogynes. Peut-être une première remarque, etc., elle ne va rien dire. Elle s'adapte, ce n'est pas encore pour elle inacceptable, ou alors ça l'est, mais elle n'ose rien dire. Ça continue. Chacun va être plus ou moins différent, et à un moment, elle va dire stop. C'est-à-dire qu'elle aura construit une limite d'inacceptabilité en disant « maintenant, ça suffit ». C'est différent selon les individus. Il y a des gens qui dès la première remarque, mettront le holà, et d'autres personnes qui, disons, devront être en but à ces remarques beaucoup plus longtemps. Eh bien, je crois que par rapport à ce que nous vivons aussi, et par rapport aux transitions désirées, c'est à nous de construire une limite d'inacceptabilité. Parce que il n'y a pas une seule histoire. Il n'y a pas une seule nature. Il y a des multiplicités de constructions de la nature. Et ce qui est une nature viable, pour quelqu'un qui serait par exemple dans la permaculture, ça fait très 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 longtemps qu'elle n'existe plus, cette nature viable. Mais pour quelqu'un qui vend du pétrole, par exemple, on peut aller beaucoup plus loin.
on a encore 150 ans devant nous, ou 50 ans, et la Terre peut être une coquille vide. Il a une construction de la nature tout à fait différente de nous-mêmes. Et donc, ce qu'il s'agit de faire, à mon sens, et c'est ça les idées, je pense que si les idées ont une force, c'est ça, c'est que les idées sont des lieux de construction de l'inacceptabilité, mais cela ne se fait qu'en construisant un concept de qu'est-ce qu'une nature viable. Cette limite de viabilité ne peut se faire aussi qu'en construisant un concept de préférabilité. C'est quoi une nature préférable alors? C'est quoi qu'on veut? Que veut-on, pour parler un français un peu plus soutenu? Parce que c'est quoi qu'on veut? C'est un peu fin de débat. Pardon. Non, mais voilà. Que veut-on? Et je crois que la construction de l'inacceptable, la construction du préférable, sont des choses qui doivent être faites parce que... c'est à partir de ce moment-là qu'on dira ce qu'est une crise. Finalement, les crises sont aussi des moments dans une histoire qui est de plus en plus polyphasée, de plus en plus complexe, sont aussi des choses dont tout le monde ne peut pas dire ensemble, tiens là, il y a crise. On sait bien que la crise des uns est l'opportunité des autres de plus en plus. Donc faire entendre le maximum de voix pour construire l'inacceptable et pour construire des préférences, c'est se garantir qu'on ne doive pas aller trop loin jusqu'à la vraie crise qui, en termes écologiques, puisque tu parles de l'anthropocène aussi, serait plus que dramatique, serait la fin. Donc je crois que la construction de l'inacceptable et du préférable sont une manière d'élaborer sur ta belle question. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci Marc pour avoir la gentillesse d'exprimer ton point de vue ce soir. Je rappelle que si vous voulez prolonger la réflexion, Marc publie dans chaque numéro d'Agir par la culture une réflexion aiguë, notamment sur les médias, mais aussi sur le monde social et économique, et que, je dirais, la pertinence de ces analyses nous permet de remuscler un petit peu notre volontarisme d'engagement. Merci Pascal, merci de nous faire sortir de la caverne, même si je suis moins optimiste que toi, et que Platon, je pense, est plutôt pessimiste, et qu'il y en a peu qui sortent parce que la lumière est forte et l'aveuglement est fort. Mais en tout cas, merci de nous avoir aussi éclairé, puisque tu aimes bien les métaphores de la lumière, ce soir et au travers notamment de ton dernier livre, L'âge des transitions, paru cette année aux presses universitaires de France. Voilà, merci à vous deux et merci à vous tous et à bientôt pour continuer le débat et les combats. Merci.